Mes chers concitoyens, il m'est particulièrement agréable au seuil de cette nouvelle année de vous exprimer mes vœux les plus chaleureux et de m'unir à ceux qu'assurément vous faites tous pour l'avenir de notre grande ville, pour son progrès et pour sa prospérité. En mon nom propre et au nom de toute l'administration municipale, je forme pour chacun de vous et pour chacune de vos familles les souhaits les plus fervents de réussite sur tous les plans, de santé et de joie. Sans doute conviendrez-vous avec moi, mes chers concitoyens, que nous avons quelques motifs de fierté quant à ce que nous avons fait ensemble depuis quelques années, quant au développement et quant à la réputation de Montréal. Et je voudrais que vous partagiez tous avec moi la confiance que j'entretiens dans l'avenir de Montréal, comme la foi que j'ai dans sa vocation particulière, dans sa haute mission en cette Amérique du Nord. Voici que nous entrons dans une année à bien des égards décisive. Ce sera en effet la grande année de préparation de l'Exposition internationale et universelle de 1967, qui situera définitivement Montréal sur la carte du monde, qui la consacrera dans son titre et son rôle de grande ville internationale. Ce sera l'année où nous inaugurerons ensemble le métro tant attendu, le plus moderne en Amérique et l'un des plus longs du monde, et qui donnera un véritable coup de fouet à la vie économique et technique de Montréal, tout en apportant un élément décisif de solution à l'énorme problème de la circulation. Ce sera encore l'année où seront achevés des dizaines de grands complexes immobiliers et où les investissements de tous ordres dans la métropole atteindront un niveau sans précédent. Le développement démographique et territorial, économique et technique de Montréal ne va pas d'ailleurs s'arrêter avec l'exposition universelle. Bien au contraire, celle-ci agira comme un aiguillon et marquera un nouvel élan pour une autre grande étape d'expansion dans tous les ordres. Vous savez d'ailleurs que nous pensons à l'avenir de Montréal et que Montréal a de bonnes chances d'être en 1972 le théâtre de cette autre grande manifestation mondiale que sont les Jeux olympiques à l'enseigne des sports, de la jeunesse et de la fraternité internationale. Cela, pourtant, n'est qu'une partie du grand dessein qui doit nous animer et dont le but ultime est d'édifier une grande cité moderne qui corresponde aux besoins, à tous les besoins de l'homme d'aujourd'hui et même de l'homme de demain. C'est dire que la politique du développement de Montréal, d'une part, doit être planifiée, de l'autre, elle doit intégrer les valeurs sociales et culturelles ou spirituelles au moins autant que les valeurs proprement économiques et matériel. C'est pourquoi, en vous réitérant à tous et à toutes mes vœux les plus fervents, je me permettrai d'en formuler un autre qui nous engage tous en notre qualité de Montréalais. Que 1966 voit tous les citoyens et toutes les citoyennes de Montréal pleinement conscients et conscientes des ressources, du grand élan et des grandes promesses de leur ville. S'intéresser plus activement encore à tous les aspects de son expansion et apporter aux dirigeants municipaux leur plus ardente collaboration dans la construction d'une cité heureuse, c'est-à-dire d'une cité humaine. Ce sera notre honneur en même temps de faire la preuve qu'une société moderne et dynamique d'inspiration et de langue française est possible en Amérique du Nord. Puisse 1966 être sur cette route une étape décisive pour notre commune fierté et pour le bénéfice de chacun.